Ici Gilles Vignon, un griot québécois. Vous écoutez CKRL 89,1 à Québec. Un griot québécois, Gilles Vignon. Grignot Vignon, c'est là, heureusement qu'il s'appelle pas Gilles Grignot, Vignon, Grignot, Prignot, Srignot, Srignot. Ok, arrêtez. Et puis donc, comment ça vous dites ça de même? Là? Ben je sais pas, il se prend pour un gringo. Pas un gringo, un griot. Un gringo, un griot, grillé, grillot, grillé, hein, crié. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Non, 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 non. C'est pas Aline, c'est pas crier, c'est ça, c'est Gilles. Gilles. Tu connais pas Gilles? Col roulé, cheveux blancs, longs. En dehors du col roulé. Qui épouse le tissu. Ben, épouse bien ce que tu veux. Hey, là, j'ai dû concentrer parce que c'est déjà la fin de l'errance rénadienne. Ah, c'est... Non, mais ça a passé comme, hein? Comme même pas une heure. Comme 32 minutes d'émission, hein? Mais parce que moi, je tiens à te le dire, parce que, regarde, c'est moi qui tiens le chrono. Ah, vous tenez le chrono. Ah, mais... On tient bien ce qu'on veut, hein? Avant, non, on aimerait bien ça tenir autre chose, mais là, c'est le chrono. Chrono. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le chrono? Ben, le chrono, il dit que le grumeau qui est en avant du micro... Moi? Vous? Toi? En tout cas, la chose... Moi, j'aime bien la chose. La chose? Ben oui, c'est alors, donc, tu dois dire tes adieux, tu dois remercier... N'oublie pas de me remercier. Tu dois remercier les grands personnages qui t'ont laissé aller ici sur les ondes. N'oublie pas de me remercier. Et ainsi, ben c'est ça, c'est, en fait c'est les bye-bye, c'est au revoir, et puis peut-être à la semaine prochaine, tu sais, ben les mêmes affaires. Oui, mais avant, j'aimerais dire que CKRL, parce que, oups, excusez-moi, c'est la feuille qui a tranché le micro. CKRL demeure une réseau, les artisans forgent depuis 35 ans un profil de diffusion novateur unique à Québec. Ça là, c'est rare. La marginalité, c'est un luxe de nos jours, et on vous l'offre. Ici même, sur nos ondes, avec plein d'émissions. Enlevez la mienne, là, plein d'émissions. Intelligente, j'ai dû enlever la mienne. Veux-tu le corail? Ouais, c'est vrai. On a essayé de l'enlever, mais c'est parce que c'est comme. C'est sur l'horaire, hein? Puis moi, j'ai mis du crayon feutre, mais là, j'en ai 2500 à faire parce que je sais pas qui a fait toutes les. Les feuilles d'or, les horreurs en regardant ton émission dessus, ça fait pas très beau, hein. En plus, ils t'ont mis dans une petite case noire, toi. C'est comme si t'étais le dernier, hein. C'est comme si t'étais une cendre en train de. Après, bien sûr, après t'avoir enflammé, hein. Et puis, ben, c'est ça, je trouve que ça n'a pas vraiment sa place, là, de 16 à 18, là. On devrait. Hein? Mireille, occupe-toi là, la prochaine fois, là, tu mets rien, tu mets du noir, ça va être la même affaire. Les gens vont dire, hey, il y a un trou noir de 16 à 18, puis ça sera son émission. Hein? On devrait appeler ça trou noir. À mon noir! Non, je préfère l'errance rénadienne. Ah, hey, mais t'as-tu remarqué que la seule personne qui le nomme très bien ton émission, c'est Tania Beaumont, l'animatrice d'Expo Québec et l'animatrice de Change de disque et l'animatrice de bien des animations ici à CKRL. Hein? J'ai dit de bien des animations ici, c'est cohérent. C'est cohérent, en tout cas. Et puis, elle dit pas l'errance rénadienne. Elle dit, après l'émission, vous entendrez. Là, elle fait une pause, là. Errance rénadienne. Elle dit pas l'errance, elle dit errance rénadienne. Et c'est comme ça que j'avais appelé mon émission. Errance rénadienne. C'est la seule qui a compris. C'est la seule. Ah, ben c'est pour ça qu'elle fait de l'impro aussi, hein. C'est pour ça qu'elle a décortiqué le code. Rénaldien de l'émission. Ouais. OK. Alors là, pour ça, dû à ça... Ben, dû à ça, moi, à chaque fois que je l'entends, je suis extrêmement ému. Hein? J'ai presque le goût de l'applaudir, mais le micro est fermé, tout est fermé, mais je le fais! Mais elle m'entend pas. Ah bon.